Bon, ben ça y est, je suis super méga excitée de vous annoncer officiellement la sortie de Flow. Donc il est sorti hier soir, je vous fais cette petite vidéo ce matin. Eh bien, pour vous dire que ça y est, vous pouvez enfin rejoindre le programme Flow. Alors je vais vous expliquer tout ça bien en détail dans cette vidéo. Je vous en parle depuis des mois hein, déjà. C'est vraiment un programme qui me tenait super à cœur de créer. Et donc, je vais vraiment vous expliquer évidemment tout en détail dans cette vidéo. Déjà, c'est un programme qui est fait pour tout le monde, d'accord? Il y a souvent cette peur de se dire, voilà, je sais pas faire de yoga, je sais pas danser, je sais pas bouger, je suis pas sportif, etc. Je vais vous expliquer évidemment tout ça. C'est vraiment accessible à tous, d'accord? Alors, pour qui est fait ce programme? Si, par exemple, vous avez... voilà, vous êtes toujours dans le mental, vous avez tendance à beaucoup cogiter, à avoir vraiment ce petit vélo dans la tête qui n'arrête jamais, eh bien ça va être pour vous parce que là on va se permettre de vraiment revenir redescendre dans le corps, on va venir se reconnecter au corps, on va venir travailler beaucoup l'ancrage. Si par exemple vous avez du mal aussi à gérer les émotions, toute la sphère émotionnelle, vous avez tendance à accumuler, à garder en vous vraiment toutes les émotions, à pas vouloir les exprimer, vous vivez des excès de colère aussi mais que vous n'arrivez pas à extérioriser. Vous avez l'impression que la colère, par exemple, est quelque chose de mal, vous évitez les conflits, du coup, ça vous ronge l'intérieur. Toutes ces émotions, finalement, que vous n'exprimez pas au quotidien vont venir s'imprimer dans le corps, et ça, je vais vous expliquer par la suite. Pareil, si vous avez des douleurs aussi, voilà, dans le programme que j'ai créé en co-création, finalement, eh bien, il y a des femmes hein, qui ont la fibromyalgie, par exemple, dedans, et pour qui le programme a été hyper bénéfique. Donc pareil, si vous avez une maladie chronique ou des douleurs ou autre, eh bien le programme va vraiment, la méthode Flow en fait, va vraiment vous permettre d'atténuer ces douleurs puisqu'on va refaire circuler l'énergie et c'est notre priorité évidemment. Si vous n'avez pas du tout confiance en vous aussi, que vous avez du mal à vous accepter, que vous rejetez votre corps complètement, que vous êtes complètement déconnecté de votre corps, vous ne savez plus, vous écoutez votre intuition, écoutez votre corps, pour vous c'est impossible en fait, vous n'arrivez pas à le faire, et bien aussi grâce à toute la méthode Flow, grâce au mouvement, grâce à la reconnexion à son corps, et bien ça va vous permettre aussi de mieux pouvoir écouter votre corps et ses besoins. Et puis, simplement aussi, si vous n'arrivez pas à chaque fois, vous dites « Ah, je vais me remettre au sport, je m'inscris dans une salle de sport, ça ne vous plaît pas, que vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous convient. » Eh bien, moi, à travers Flow, eh bien, je vais vous montrer, évidemment, vous accompagner et vous montrer qu'on peut bouger, créer du mouvement au quotidien sans devoir, enfin, en prenant du plaisir, finalement, vraiment, sans que ce soit contraignant, que ce soit dur, que ce soit, voilà, chiant, on peut le dire, hein, vraiment, mais qu'on prenne du plaisir et qu'en fait, finalement, eh bien, on bouge, on muscle son corps, on libère, on se sent bien, sans s'en rendre vraiment compte. Donc voilà, peut-être que vous avez aussi déjà tout essayé. Peut-être que c'est votre cas, que vous avez fait du yoga, que vous avez fait la méditation, que vous travaillez l'écriture, que vous travaillez sur vous depuis des années, vous lisez plein de bouquins en développement personnel, vous avez peut-être déjà fait plein de thérapies aussi cognitives, vous avez peut-être été accompagné par des thérapeutes, psychologues, etc. Et pourtant, vous êtes toujours, vous tournez là en rond en fait, vous êtes tout le temps bloqué. Moi, c'est ce que j'ai vécu, hein. Je vais vous raconter mon parcours évidemment par la suite. Et en fait, tant qu'on essaye de travailler, de résoudre une situation avec le mental, tant qu'on essaye de comprendre, et c'est ce que l'homme, l'être humain adore faire, et il est là dans la sphère mentale à essayer d'étudier les sujets, de faire des recherches sur internet, de regarder 10 000 vidéos, etc. Et là, on cogite, et on reste bloqué là. Parce que quoi? Parce que la libération, la transformation, elle se fait dans le corps, elle se fait en profondeur, dans le mouvement, d'accord? Et donc c'est ça, si vous avez l'impression de stagner, eh bien, vous allez voir que le programme Flow va énormément vous aider puisqu'on va venir finalement explorer tout ça à travers le corps. Et je peux vraiment vous dire que moi ça a transformé vraiment ma vie, mais vraiment quand je dis ça c'est pas j'exagère pas. Parce que vous savez bien, alors si vous me connaissez, vous avez peut-être suivi mes anciennes vidéos où j'explique mon parcours, etc. Si pas, eh bien brièvement, j'ai eu pas mal de gros problèmes de santé. Et pendant longtemps, je me suis focalisée uniquement sur la sphère nutritionnelle, naturopathique, etc. Vraiment essayer de me soigner avec des plantes, avec des compléments, la nutrition et autres. Alors évidemment, c'est un pilier qui est très important. C'est essentiel, d'accord, pour prendre soin de notre corps physique.
Mais en fait, c'est pas la cause racine. Si on veut vraiment aller à la racine en profondeur, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller voir dans notre mémoire cellulaire. Il faut aller voir dans tous nos blocages énergétiques, toutes les émotions qu'on a accumulées, tout ce qui est empaqueté, enfin, empilé dans notre corps en fait et qu'on n'a pas été voir. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a un moment donné où je me suis tournée vers les soins énergétiques, vers le mouvement. J'ai recommencé à danser, qui était ma première passion finalement. J'ai recommencé à faire du yoga, etc. Et j'ai vu des bénéfices absolument incroyables, incroyables. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut absolument que je puisse explorer ça en plus en profondeur. Et c'est de là que j'ai commencé à créer ma méthode, que j'ai créé Bloom Dance aussi. Vous verrez, je vous offre une session d'ailleurs dans le programme, où j'ai créé la méthode Flow, qui a été pour moi évidemment une évidence en fait de vous partager ça, parce que moi-même, quand j'ai vu l'impact que ça avait, je me suis dit, c'est absolument incroyable, il faut que je partage ça au reste du monde. Et donc voilà, c'est vraiment pour ça aussi que j'ai créé Flow. Et moi, dans mon propre parcours, ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement transformé. Et je ne peux plus passer une journée sans mettre du mouvement. Et vous allez voir, il n'est pas question de bouger 1 heure par jour, enfin, je veux dire, de faire des sessions hyper longues. C'est des petites sessions, des petites choses que j'invite vraiment à faire, à pratiquer au quotidien. Et ça change tout. Et donc, comme je vous disais, il y a cette empreinte émotionnelle, ça je l'explique très en détail évidemment dans le programme, où on va venir accumuler, où l'énergie va venir se cristalliser, faire des nœuds en fait dans notre corps. Et c'est là qu'on va accumuler plein d'énergie, plein de nœuds qui vont créer finalement des douleurs dans le corps qui vont venir créer les maladies. Il faut bien savoir que la maladie, elle n'apparaît pas comme ça subitement par hasard. Il y a d'abord une accumulation d'énergie, d'accord? On est fait à quasiment à 100% d'énergie, d'accord? Ça, c'est vraiment de la physique quantique, c'est pas un truc perché, voilà, c'est prouvé. Et donc la seule manière finalement de venir se libérer, la seule manière pour moi de venir guérir en profondeur et de créer en profondeur aussi, parce que vous avez vu, je libère et en même temps je viens créer. Et ça c'est fantastique, c'est de passer par le mouvement, de passer par le corps. Pourquoi? Parce que l'émotion est une énergie en mouvement. Si on traduit ça en latin, c'est vraiment ça. C'est vraiment une énergie qui est en mouvement. Donc on ne peut pas se libérer, on ne peut pas guérir juste en travaillant sur la sphère du mental. Évidemment, c'est important de mettre en lumière des choses, encore une fois, tout est à prendre en compte. Et en même temps, si on ne vient pas travailler sur cette sphère énergétique et de remettre du mouvement dans le corps, eh bien concrètement, on va stagner, on va tourner en rond. Donc voilà, ça c'est vraiment une clé qui va être hyper, hyper importante. Et donc le programme Flow, eh bien je l'ai créé aussi avec l'intention évidemment de vous aider à créer, à vous connaître, à vous reconnecter à votre essence profonde, à venir vraiment, mais vous connaître, vous accepter tel que vous êtes, parce que c'est vraiment, c'est pas juste je vais bouger mon corps, c'est pas juste je fais quelques flows, je fais un peu de mouvement, ça me fait du bien à mon corps, c'est bon pour la santé. On est dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intense que ça, et j'ai toujours du mal à trouver les mots, et les participantes, c'est les co-créatrices hein, qui ont créé le programme avec moi, le disent aussi, il n'y a pas de mots, il faut vraiment le vivre, en fait, le flow, ça se vit de l'intérieur. Donc voilà, en tout cas, j'espère de tout cœur que vous allez pouvoir venir expérimenter cette aventure avec nous qui est juste exceptionnelle. On a vraiment, vraiment créé une famille, on l'appelle la Family Flow, et c'est juste énorme, en fait, ce qui se passe là-dedans, et donc voilà, en tout cas, on espère vraiment que vous allez nous rejoindre. Mais voilà, comme je vous disais, c'est pas juste je vais bouger mon corps, ça fait du bien, c'est bon pour la santé. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent à travers cette méthode parce que je viens vraiment me reconnecter à moi. Du coup, ça me permet de faire des choix dans la vie beaucoup plus en conscience, beaucoup plus alignée aussi avec qui je suis. Et ça va permettre finalement de vivre dans le flow. Donc c'est pas que je mets du mouvement dans mon corps, c'est aussi je mets du mouvement dans ma vie, j'arrive à me reconnecter et à me laisser porter au lieu de m'agripper, de résister et de lutter contre la vie. Et ça, c'est un point qui est vraiment hyper méga important. Et donc l'intention, c'est vraiment de venir débloquer les nœuds qu'on n'arrive pas à débloquer depuis des années en travaillant sur le mental, en lisant des livres, en allant à des conférences de développement personnel, en faisant des thérapies qui sont plutôt basées sur le psychologique, le cognitif et autres. Alors l'objectif n'est pas du tout de devenir un danseur étoile ou un yogi, je vous le dis tout de suite, il n'y a vraiment aucun prérequis nécessaire, rien du tout, juste être vous. Et il y a juste à laisser faire. Et ça, j'explique très en détail aussi dans le programme. Laissez faire le corps, laissez le faire, faites-lui confiance en fait. Et il n'y a pas de, ça doit être beau, ça doit être esthétique, on est là juste pour exprimer, pour libérer, pour créer aussi, parce que ça va venir rebooster complètement votre créativité. Ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter à toute cette sphère intuitive, créative, à votre côté yin aussi.
Donc ça, c'est puissant. Et puis, il y a aussi, vous verrez, des exercices où on vient vraiment se connecter à notre pouvoir intérieur, à notre feu intérieur, donc plus à notre côté yang. Et donc, ce programme va vraiment, vraiment vous permettre de retrouver de l'énergie, de diminuer aussi toutes les douleurs physiques, surtout si vous avez des douleurs plutôt chroniques. Ça va clairement anticiper. En fait, c'est vraiment un outil d'anticipation au niveau des problèmes de santé que vous pourriez avoir plus tard. Là, on va vraiment, comment on va venir faire circuler l'énergie, et ça, c'est prouvé depuis des milliers d'années avec la médecine chinoise, etc. aussi. Nous avons des circuits énergétiques dans le corps, et c'est important de venir aussi mettre du mouvement, d'accord, pour justement éviter toutes sortes de maladies et de problèmes de santé. Et puis, le programme Flow va aussi vous permettre, comme je vous disais, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre responsabilité, de venir aussi calmer le stress, de diminuer le stress, de diminuer l'anxiété, et de venir recréer finalement cet espace de calme intérieur, de paix intérieure, et de créer cet espace à plus de joie, à plus d'amour, à plus de sérénité. Donc ça, c'est aussi une clé qui est vraiment très importante. Donc voilà, bref, je passe les détails parce que vraiment, il y a énormément de bénéfices, et de toute façon, vous pouvez aller voir, il y a plusieurs co-créatrices qui ont créé avec moi le programme, qui ont vraiment pu exprimer aussi, mieux que moi encore, comment elles ont vécu, comment elles vivent le flow au quotidien. Donc n'hésitez pas, de toute façon, il y a tous les détails juste ici en dessous de la vidéo, je vous mets le lien. Et donc elles vous partagent aussi, elles qui l'ont vécu en fait, ce sera encore mieux d'aller écouter concrètement les participantes. Alors, je vais ici brièvement vous décrire les modules, même si vous avez tous les détails, encore une fois, dans le lien juste en dessous de la vidéo. Et donc, il y a 5 modules dans le programme Flow. Alors, il y a un petit module d'introduction, évidemment. Dans ce module d'introduction, je vous explique les différents corps, l'énergie, pourquoi tout est mouvement, le cycle de la vie, etc. Dans le module 1, on va parler évidemment de vivre et libérer les émotions et le stress. Donc là, on part vraiment sur cette sphère-là. Je vous donne plein d'outils. C'est vraiment un programme très concret. On n'est pas dans une formation théorique, d'accord? Moi, là, mon objectif, c'était vraiment de vous apporter beaucoup, beaucoup d'exercices concrets. Donc, on plonge dedans. Comment libérer les émotions, les différentes étapes. Je vous donne des exercices aussi très précis pour libérer la colère, la tristesse, la culpabilité, mais la joie aussi, parce que parfois on ne s'autorise pas à libérer la joie, et pourtant c'est extrêmement important aussi, puisque c'est une énergie qui peut également stagner. Module 2, on va se reconnecter au corps. Donc là, on va travailler sur des mobilités, j'appelle ça. Donc on va venir remettre en mobilité différentes parties du corps. Donc ça, c'est très doux. Par exemple, si vous avez la fibromyalgie, l'arthrose ou autre, c'est fantastique parce que on vient remettre du mouvement et de la circulation en douceur. Donc ces mobilités du corps, ça nous permet aussi de se reconnecter aux différentes parties de notre corps et de venir aimer son corps, de venir l'accepter et de revenir dans les sensations au lieu d'être vraiment dans la cogitation finalement. Dans le troisième module, là, on part sur la visualisation. Donc la technique de visualisation pour recréer du mouvement, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement très connu et pourtant qui est fantastique parce que par l'imagerie, la création d'images, la création de visualisations, on va venir remettre ce mouvement finalement dans le corps. On va venir refaire circuler aussi cette énergie et développer aussi sa créativité. Dans le module 4, là, on va vraiment travailler sur les postures et l'alignement et tous les mouvements aussi. Donc là, c'est toutes des mises en mouvement. Même au matin, par exemple, il y a une mise en mouvement au lever. Voilà, avant de vous lever du lit, de se remettre en douceur en mouvement puisqu'on est quand même resté un peu, pas immobile, mais en tout cas moins en mouvement durant la nuit. Il y a tout plein de postures d'alignement parce qu'on ne se rend pas compte de notre manière de nous tenir, de l'alignement aussi qu'on peut avoir dans le corps, qui peut avoir un impact énorme sur justement notre attitude, notre confiance en soi, la circulation d'énergie. Donc on va gagner en énergie aussi en étant bien aligné. Dans le module 5, et bien là c'est vraiment le pouvoir de la danse et du flow. Donc là je vous offre une séance de Bloom Dance, alors évidemment qui est un peu différente de quand je la vis en live, hein, puisque là c'est pas en direct. Et alors il y a 10 flows, qui sont prévus, donc avec vraiment, il y en a pour tout le monde. Il y a des flows très doux, il y a des flows qui vous permettront de vous reconnecter à votre féminin, il y a des flows d'ancrage, il y a un flow de l'amour, il y a des power flows, donc qui sont beaucoup plus dynamiques.
le flow du matin aussi est plus dynamique. Bref, il y a vraiment pour tous les goûts et vraiment surtout aux différents moments de la vie, puisque la vie est un mouvement, on vit différents cycles, on vit différents états d'être et émotions. Et donc, c'est important d'avoir des flows pour chacun de ces moments, de ces étapes de vie que l'on vit au quotidien. Donc voilà. Et puis, je vous ai préparé des petits bonus aussi, parce qu'à chaque fois, j'adore vous gâter. Donc, il y a 20 citations inspirantes, que vous, voilà, des petites citations que vous pouvez imprimer, découper et voilà, les utiliser, les relire régulièrement pour vous rappeler l'importance du mouvement, de la circulation des énergies. Je vous ai aussi fait 10 playlists pour chaque flow parce que voilà, c'est vraiment la musique va avoir un impact énorme aussi sur la libération, sur la création, sur les ressentis. Et alors, troisième bonus, il y a deux audios, donc deux sortes de relaxation sur le corps en pleine conscience. Et ça, c'est très puissant aussi, puisque ce sont des audios que j'ai créés et qui vous permettent vraiment de venir en conscience, ressentir les différentes parties de votre corps. Donc voilà pour le programme Flow. Alors là, j'ai résumé, évidemment, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez nous rejoindre. Si vous voulez plus d'informations, le lien est juste ici en dessous. En tout cas, ce serait vraiment un plaisir de vous accueillir, évidemment, dans cette aventure, dans la family flow, comme les co-créatrices l'appellent. Alors, j'ai vraiment mis un prix tout doux parce que je vous assure qu'il y a ces contenus dans le programme qui est incroyable. Ça a été évidemment des mois de travail, ça a été de l'expérimentation, ça a été... j'ai essayé enfin, vraiment qu'il soit le plus complet possible. Et vous savez bien que mes programmes se complètent aussi au fur et à mesure, donc il y aura certainement des nouveaux flows. Ou voilà, on verra bien ce qu'il en sera. Donc voilà. Et alors... évidemment, vous avez accès à vie à ce programme. Donc ça, c'est juste fantastique. Vous allez pouvoir vraiment refaire autant que vous voulez, quand vous voulez, l'utiliser comme vous le voulez et aussi le faire en famille. Ça peut être très intéressant. Il y a des participantes qui le font et ça crée plein de choses en couple aussi, etc. Bref, donc voilà. En tout cas, je me réjouis. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser dans les commentaires ou à me contacter évidemment en privé aussi par email ou via les réseaux. Et puis, eh bien, je me réjouis vraiment de vous accueillir dans ce programme. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, le mouvement, c'est la vie et la vie est un mouvement. Donc, c'est vraiment super, méga important de venir faire circuler tout ça. Et vous allez voir l'impact et la transformation que ça va avoir sur vous, sur votre état d'être intérieur et aussi sur votre état d'être extérieur et votre environnement. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et osez rayonner. À bientôt.